c'est encore pire. En tant que personne queer, pour tous les jours dans la société, s'affirmer encore plus fort et plus sûr de soi. Je suis coach sportif. Le sport, ça a fait que je me suis sentie encore plus moi-même. Le fait de prendre confiance en moi et le côté de pouvoir accepter cette non-binarité. On m'a appris que j'étais séropositif, j'avais 23 ans. J'essaie vraiment de mettre cette notion de séro-fierté, si on veut. Tu peux être coach sportif, tu peux être performant, tu peux être bien dans ta vie, avoir des amis. Quand tu donnes des cours, c'est vraiment de créer un environnement où chaque personne est la bienvenue. C'est ce que j'essaie de le plus transmettre aussi dans mes cours, c'est le sentiment de fierté, de confiance. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans notre quotidien. On se montre, on est plus visible, on est plus présent et on a beaucoup moins envie de se cacher, alors qu'on l'a fait pendant tellement longtemps.